Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on va faire une séance de renforcement musculaire avec comme matériel, donc vous avez besoin de tapis. Et soit vous me prenez élastique, si vous n'en avez pas, vous me prenez une bouteille d'eau. D'accord? C'est pas grave, la séance vous pouvez l'adapter si vous n'avez pas d'élastique. Ok? Donc on va commencer par s'échauffer et on va marcher en commençant par la jambe droite. Et on alterne droite et gauche. D'accord? Allez, quand je vous le dis, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va, on marche. Donc on est bien hein, sur jambe droite. On va commencer par des 7 touches à droite. 4, 3, 2, 1, à droite, à gauche. Donc vous pouvez avoir les bras libres, vous pouvez avoir les mains sur les hanches. Les pieds se rejoignent, on touche juste la pointe de pied au sol. Et quand je vous le dis, on double, on en fera deux du côté droit et on reviendra deux sur la gauche. 4, 3, 2, 1, double. 1 et 2. Jusque-là, ça va. Ensuite, on va croiser les jambes au milieu. Allez, on croise. Ensuite, on rajoute talon fessier. Allez, jambe gauche, talon. Ha. Jambe droite. Ha. Et on actionne les bras. Le ventre serré, la poitrine est fière, les épaules sont basses. Ok, quand je vous le dis, on s'arrêtera sur les talons. 4, 3, 2, 1 et on s'arrête sur talons. Donc talon vers fessier, hein, se grandit, toujours le dos bien droit, la poitrine fière, le ventre serré. Allez, on double dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et là vous doublez. 1, 2, 1 et 2. Restez là-dessus. Ok, ensuite on partira sur des squats. Allez, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, squat. Je descends, je remonte. J'inspire en descendant et je souffle en remontant. J'ai mes orteils un peu ouverts, mes genoux souples. Fessiers vont entre les talons. Ayez bien le poids du corps sur vos talons. Le dos descend bien droit. Le regard est vers l'avant. À 8. 6, on bloquera en milieu. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on reste ici au milieu. Donc, je rappelle votre posture. Hein, voyez, fessiers vers l'arrière. Genoux ne dépassent pas les orteils. J'ai mes épaules bien dégagées, mon regard devant. Et ça doit chauffer au niveau des cuisses. Maintenez-moi encore cette posture. On va faire ensuite des petits rebonds. 4, 3, 2, un petit. Ha, ha, ha. Donc là, l'option plus facile, ça va être de faire ces mouvements, donc ces petits mouvements un peu plus haut.
et tenez bon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, détendez-moi un peu les jambes, on va recommencer ça. Donc, on remet ses pieds, se passer des hanches. 4, 3, 2, 1. Ha! Ha! Allez, genoux en direction des orteils, donc légèrement vers l'extérieur. Ne verrouillez pas vos genoux quand vous vous redressez. Imaginez une chaise derrière vous. Vous voulez vous asseoir dessus. Imaginez toujours un fil au-dessus du crâne. Faut toujours bien vous obliger à vous grandir. Allez, ensuite on va bloquer, hein. 4, 3, 2, 1, bloc milieu. Allez, on va rester un petit moment comme ça. Respirez de manière fluide. Mettre un peu de biais. Allez. Ensuite, on va refaire nos petits rebonds, hein. D'accord? 4, 3, 2, 1, rebond. Ha! Ha! Toujours une respiration fluide, hein. Changer de mouvement, on va partir sur des fentes. Je rappelle que les fentes, vous devez ici en l'occurrence amener la jambe droite en avant, faire un grand pas. Je vais mettre de biais pour que vous me voyez bien. Le genou droit doit rester au-dessus de votre cheville. Pied à plat devant, pied en pointe derrière. On y souffle au niveau des genoux sur les deux jambes. J'ai le dos droit qui peut légèrement pencher, d'accord, du moment qu'il reste droit. Et je vais ici descendre verticalement. Vous voyez, je descends vers le sol, j'inspire ici, j'expire, je remonte. Le ressenti doit être sur votre fessier droit principalement. D'accord? Donc faites attention à votre dos et à votre regard. On va partir en un temps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. On descend et on remonte. Alors, vous voyez, moi j'actionne mes bras. J'amène mon coude gauche vers mon genou droit quand je descends. C'est pas une obligation pour les mains sur les hanches. Essayez d'être relâché sur la jambe derrière le plus possible et repoussez-vous bien avec la jambe de devant. C'est elle qui travaille principalement, hein, c'est votre jambe droite. Quand je vous le dis, on bloque. Allez, dans 8, 7, 6, 5, soufflez bien, remontant 4, 3, 2, 1, et on bloque ici au milieu. Plus on descend bas, plus ça va être dur. Attention, le genou ne doit pas toucher le sol, hein, d'accord? On doit être quand même repoussé du sol. Maintenant, si c'est trop dur, je me redresse un peu, d'accord? Allez, maintenez encore, hein, focalisez-vous sur votre jambe droite, hein. Et ensuite, on va faire des petits rebonds. C'est la même chose qu'on a fait avec les squats. 4, 3, 2, 1, petit. Ha, ha, ha. Engagez-moi bien vos abdos, hein. On respire naturellement. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, détendez un petit peu. Et vous savez quoi? On va refaire à droite. Et ensuite, on fera deux fois du côté gauche. Donc là, c'est exactement la même chose.
On se détend un peu, si besoin on s'hydrate. Et on repart, jambe droite devant et jambe gauche derrière. Quand je vous le dis en un temps. 4, 3, 2, 1, on y va. Ha. 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 Vos épaules bien éloignées de vos oreilles. Toujours la cage thoracique ouverte. Et abdos serrés. Soufflez en remontant. Repoussez-vous bien avec votre jambe d'appui au sol, la droite. Allez, 8, 7, 6, 5. On viendra bloquer. 4, 3, 2, 1. Et on s'arrête au milieu. Tac. Les bras sur les hanches si on veut. Allez, faites-moi des petits rebonds. Donc, même principe, jambe gauche en avant, un grand pas entre vos deux jambes. Genou bien au-dessus de la cheville. Fléchissez donc la jambe qui est derrière et uniquement la pointe de pied au sol. Un dos droit qui peut être légèrement penché. Et on va descendre en un temps et remonter en un temps également. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. On inspire et on souffle. On inspire en descendant et on souffle en remontant. Attention à l'équilibre. Vous pouvez vous aider de vos bras. Coude droit vers genou gauche quand vous descendez. Et même processus, hein, il faudra bloquer quand je vous le dis. Repoussez-vous bien avec votre jambe gauche, c'est elle qui travaille. Hein. Soyez le plus relâché possible sur la jambe droite derrière. 4, 3, 2, 1, on bloque milieu. Le fait de pencher votre buste amènera plus le poids du corps vers l'avant. Donc ça travaillera plus au niveau musculaire. Hein. Allez, il nous reste les rebonds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va, petit, petit. Allez, respirez naturellement. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Allez, détendez un petit peu vos deux jambes, surtout la gauche, et on recommence. Je vous rappelle qu'il vous reste une fois du côté gauche, et après on fera le haut du corps avec élastique ou bouteille d'eau, si vous n'avez pas d'élastique. Allez, on se remet en place. Jambe gauche devant. En un temps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Ha. 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 Allez, soufflez en remontant.
Focalisez-vous sur fessier gauche. Serrez moins les abdos. La cage thoracique est toujours ouverte, les épaules basses et le regard devant, non vers le sol. Hein. Allez, 8, 7, on viendra bloquer ensuite, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on bloque milieu, hop là. Et si le moment ça devient dur, ne vous arrêtez pas, remontez tout simplement un peu. D'accord? Ça vous aidera à tenir. C'est un peu plus facile. Allez, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, des rebonds. Plus que ça. Pour le bas du corps, hein, les cuisses en tout cas, et fessiers, debout. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, on relâche. Très bien. Alors, pour la suite, donc vous avez dit hein, élastique ou bouteille d'eau. Donc, si vous avez une bouteille d'eau, il en suffit d'une. Hein. Vous la prendrez dans la main droite. Donc, les pieds espacés des hanches. Toujours les orteils à 10h10, vos genoux souples. On engage un peu fessiers, on serre le ventre. On ouvre poitrine, on abaisse épaules, on regarde bien devant. Je fixe mon coude droit dans les côtes. Et je viens monter, voyez la bouteille d'eau, avec mon avant-bras, ma main et la bouteille. Je pars de la cuisse pour venir au niveau de l'épaule. Sans amener mon coude vers l'avant, hein, le coude reste vissé dans vos côtes. Donc soit vous faites avec la bouteille, mais à la base c'est avec élastique. Hein. Et si vous n'en avez pas. Donc pour ceux qui ont un élastique, donc vous mettez donc, un bout au niveau du pied, au niveau de la plante de pied. Et ensuite, vous placez votre main de telle sorte à ce qu'il y ait de la tension. Donc, ça dépend des élastiques hein, que vous avez. Donc, pareil, on visse donc, son coude dans ses côtes. Et on va monter sa main, vous voyez, en direction de l'épaule. Ok? On va faire d'abord le bras droit et après, on fera le bras gauche. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en un temps. On monte et on descend. Et on souffle en montant, c'est là qu'elle est forte. Mon bras gauche, donc ma main peut être placée sur ma hanche. Je rappelle que les genoux sont souples. Hein. Vous n'avez pas de jambes tendues ici. Hein. Si c'est dur, vous mettez votre main sur l'élastique hein, un peu plus loin. Sur un autre cran. Donc là, vous devez ressentir biceps, hein, intérieur de bras. Et on en fait encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vous bloquez au milieu. Donc là, l'élastique est tendu. Hein, vous voyez, mon bras... Il est au milieu, voire un peu plus haut vers l'épaule. Donc attention à votre posture, bien vous grandir. Quand je vous dis, on fera des petits mouvements. Et au même niveau, d'accord? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un petit. Ha, ha. Ça doit brûler, hein? Au niveau de votre bras. Allez, tenez bon. Respirez fluidement. Encore 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Ok, détendez-moi votre bras. On va le refaire une fois à droite.
Donc je rappelle qu'avec la bouteille d'eau, c'est exactement le même rythme, hein. Vous suivez bien, hein. Ça se fait avec la bouteille, hein. D'accord? Allez, on va repartir. Je vous laisse vous replacer, souffler un peu. Main gauche sur un genou souple. Allez, on va faire en un temps. 4, 3, 2, 1. Ah. 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 Et soufflez bien en montant. Hein. C'est là qu'il est fort, c'est là qu'il faut souffler. Allez, quand je vous le dis, on va bloquer au milieu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient bloquer au milieu. Attention à vos épaules, de ne pas avoir hein, cette épaule plus basse que l'autre. Hein. Attention à bien qu'elles soient alignées toutes les deux, d'accord? Et je rappelle ici qu'on va faire des petits mouvements à cette hauteur. 4, 3, 2, 1, on y va, petit. Allez, 8 derniers, 8. 7. Alors, ça creuse, 6. 5. 4. 3. 2. Et on relâche. Ok. Donc, le bras droit, au niveau des biceps, c'est bon. On va faire les biceps, mais du coup, du côté gauche. Donc, changement au niveau de la bouteille de bras. D'accord? Et là, on change de pied l'élastique. Vous savez ce qui vous attend à gauche. Donc, replacez votre main où elle était. Normalement, ça doit être pareil que le côté droit. Allez, main droite sur la hanche, cette fois-ci c'est bras gauche qu'on va actionner en un temps. 4, 3, 2, 1, on y va. On monte et on descend. Et on souffle en montant, ça ne change pas. On vise bien son coude dans ses côtes. Donc peut-être que vous allez sentir que vous êtes plus à l'aise sur un bras qu'un autre. Hein. On est souvent un peu plus fort d'un côté que d'un autre. Soyez pas surpris, hein, c'est normal. Allez, quand je vous dis on viendra bloquer au milieu. 4, 3, 2, 1, on bloque. Donc je rappelle ici, hein, au milieu, que l'élastique soit en tension, genou souple, hein, toujours, on serre un peu fessier, on serre ventre, on ouvre poitrine, épaule abaissée, regard devant, vous savez. Allez, après on fait des petits mouvements. 4, 3, 2, 1, on y va, petit. Allez, ça doit chauffer, brûler au niveau de votre bras. Je rappelle qu'on a encore une fois à faire. Allez, je vous laisse vous replacer. Main droite sur hanche, genou souple, dos droit. On fixe bien son coude. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. On monte et on descend. Allez, soufflez bien en montant. Attention à avoir l'épaule gauche basse, en tout cas plus basse que la droite. Alignez-les bien. Quand je vous le dis, les mains bloquées.
Élastique en tension. Attention à sa posture, toujours le ventre bien serré. Quand je vous dis des petits mouvements, après on fera les triceps. Quatre, trois, deux, un. Allez, fais-toi des petits. Et on continue, on tient. Ha, 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 ha. Quatre, trois, deux, un. Allez, relâchez. Détendez-moi votre bras. Alors, là, vous n'avez plus besoin de mettre l'élastique au niveau de pied, d'accord? On va faire donc triceps. Donc, je rappelle ici que vous pouvez prendre la bouteille d'eau encore une fois. Si vous avez la bouteille d'eau, donc on va faire bras droit, bras gauche. Donc, d'abord le bras droit. Donc, ici, je vais placer, vous voyez, la bouteille avec le bouchon en direction du sol, ok? Donc, ici, vous êtes sur bras droit. Donc, la bouteille, vous voyez, vous partez de la nuque. Le coude est au niveau du plafond fléchi et vous allez développer votre bras. Vous voyez, faire une extension en soufflant. J'amène la bouteille plus haut de la nuque, au-dessus de ma tête. D'accord? Et c'est bien fixer le coude, c'est juste l'avant-bras, la main et la bouteille qui doivent bouger. Pareil, vous suivez le rythme. Pour ceux qui ont l'élastique, vous me suivez avec élastique. Donc, je rappelle ici, on va mettre un bout d'élastique donc dans la main. L'élastique vient dans le dos et votre main, vous voyez, gauche, peut se placer vers le bas, au milieu, même plus haut. Sachez que plus vous allez mettre la main haut, plus il y aura de tension quand vous allez développer votre bras. Donc, plus c'est dur. Si à un moment donné, ça devient dur et que vous avez la main ici, vous descendez. D'accord? Ça vous permettra de continuer, de ne pas vous arrêter. Faites un peu plus facile et vous tiendrez le temps imparti, le rythme. Donc ici, pareil, main partant au niveau de la nuque, on développe, voyez, le bras en direction du plafond. On va faire en un temps bloquer des petits mouvements, exactement la même chose que les biceps. Bon, je pense que vous avez le temps de récupérer, donc on va partir, je vous laisse vous mettre en place. Allez, quand je vous le dis, toujours le dos droit, genou souple. 4, 3, 2, 1, on y va. Ha. 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 Donc attention, votre main ne doit pas prendre la place de votre tête. Hein. On serre bien les abdos, légèrement les fessiers. On souffle en tirant. Et quand je vous dis à venir bloquer, le bras en haut. Allez, dans 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient ici mettre de la tension au niveau d'élastique, tendre son bras avec le coude un peu déverrouillé, hein. Allez, respirez fluidement, après on fait des petits mouvements vers le haut, à la hauteur où est ma main. Allez, petit. Donc vous devez sentir l'arrière de votre bras. Pour le coup, les biceps ont été sur le devant. Et bien là, on est sur donc, le postérieur, le triceps. Allez, ça doit chauffer, ça doit brûler, hein. Quatre, trois, deux, un, et on relâche. Et vous devez être content de relâcher. Donc, détendez un petit peu votre bras, secouez-le un peu. N'hésitez pas à enrouler un peu les épaules. Et on recommence le côté droit. On passe pas au gauche encore, on va faire deux fois de chaque. Donc, je vous laisse vous replacer. Allez, pieds espacés des hanches.
4, 3, 2, 1, on y va, on développe. Allez, soufflez en tirant. Si c'est trop dur, descendez votre main gauche sur l'élastique. Hein. Allez, on va faire quelques mouvements encore et après on va venir bloquer en haut. Allez, bien la nuque et tirez vers le haut sans que la tête ne bouge. Allez, on bloque. Ha. Donc il nous reste des petits mouvements et après on pourra faire l'autre côté. Allez, 4, 3, 2, un petit. Ha. 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 Et c'est là où ça fait pas trop de bien, hein, je sais. Hein. Allez, tenez bon. Accrochez-vous. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on relâche. Ok. Allez, descendez un peu votre bras. Votre épaule si besoin. Allez, il ne reste plus que ça du côté gauche. Après, on passera au sol. Donc ici, donc je rappelle, hein, bras gauche, main droite, ici sur l'élastique, plus ou moins haut ou bas, suivant vous. Hein, et on va tirer vers le haut. D'accord? Soufflez bien en tirant. Allez, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, on y va, on tire et on souffle en tirant. Je rappelle que votre regard est bien vers l'avant, vos épaules basses, poitrine fière, ventre serré, fessier légèrement serré aussi, genoux souple. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on bloque. Allez, respirez fluidement, serrez toujours bien le ventre, creusez le plus. Allez, petit mouvement, on y va. Ha, 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 ha. Détendez-moi le bras gauche, épaule. Exactement la même chose. Après, on passe au sol. Allez, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on développe vers le haut. Et ensuite vers la nuque. Allez, montez bien vers le plafond. Encore quelques-uns, on viendra bloquer. 4, 3, 2, 1. On bloque. Ah, il ne reste plus que les petits mouvements. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Allez, petit. Allez, ça chauffe, c'est normal, hein. Allez, accrochez-vous, tenez bon, essayez de pas lâcher. Sinon, descendez un peu la main droite sur l'élastique. Allez, 8 derniers. 8, 7, 6,
possibilité de garder l'élastique ou de faire sans. Ok? On va travailler un petit peu fessiers. Donc, votre tapis ici. Donc, vous allez vous asseoir. Alors là, après, ça dépend de vous, de votre élastique. Hein. Vous pouvez très bien avoir un pied sur le 1 et l'autre peut-être sur le 4. D'accord? Après, testez. Je vous laisse le temps. Moi, le temps de m'installer, du coup, installez-vous. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien mettre l'élastique, de tester avec les exercices, que vous puissiez avoir un minimum de tension. Attention à ne pas en avoir trop et pas en avoir assez. Il faut le juste milieu. Mais là, il n'y a que vous, hein, qui pouvez vous en rendre compte. Alors, au début, on ne va pas tout à fait utiliser l'élastique. Vous allez vous mettre, j'espère que c'est bon pour tout le monde, vous allez vous mettre de profil sur le côté droit. Vous allez vous allonger, placer donc votre bras droit au sol, vous voyez. L'oreille peut être sur l'épaule ou bien légèrement dégagée de l'épaule. Vous tendez les jambes, pieds en pointe. Vous êtes ici aligné entre votre buste et vos jambes. Vous placez la main en appui devant si vous voulez pour l'équilibre. C'est pas une obligation. On peut très bien avoir main sur cuisse. D'accord? Et vous allez décoller les deux jambes. Donc regardez bien vers l'avant. Ouvrez bien vos épaules. Serrez abdos. Aussi problème d'équilibre parce que c'est un travail d'équilibre. On peut placer, voyez, sa main gauche du coup, paume au niveau du sol, au niveau de la poitrine. Donc ça, ça travaille un peu vos obliques, hein. La chaîne latérale. Ensuite, on fera exercice de fessier. Allez, on tient encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Vous posez donc la jambe droite au sol. Vous pouvez ici bien avoir donc tout le monde la main gauche au niveau du sol en appui ici. L'oreille, là, vous pouvez la mettre sur l'épaule. Et on va monter et descendre. Vous voyez, la jambe du ciel monte et descend. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de tension. Vous voyez, je suis obligée de changer parce que j'en ai pas là pour le coup assez. Il faut que vous ayez un minimum de tension. Quand vous montez votre jambe vers le haut. D'accord? Vous soufflez en montant. J'inspire en descendant. Et je souffle en montant. Donc là, ça travaille fessier ici. On serre toujours le ventre. La poitrine est ouverte. Les épaules sont abaissées. Alors, ensuite, on bloquera en haut avec l'élastique. On cherchera à tendre dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, vous venez bloquer. Donc là, même si vous n'avez pas d'élastique, hein, ça travaille. Hein. C'est juste qu'avec l'élastique, ça nous amène quand même un peu plus de travail. Il y a plus de tension. Allez, des petits mouvements. C'est pas le plus agréable, hein. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok. On va refaire une fois de ce côté-là. Et ensuite, on changera de côté. Donc, on va repartir sur l'équilibre. D'accord? Je rappelle, vous pouvez avoir la main sur la cuisse. Plus facile, main devant. D'accord? Allez, on aligne bien son corps, les jambes bien tendues. Vous êtes prêts? Allez, on lève les deux jambes. On peut avoir l'oreille, hein, ici, décollée de l'épaule. Le regard vers l'avant. On creuse son ventre. Logiquement, il y a un léger espace entre votre taille et le tapis, des coccinelles.
la pourrait passer. Donc travail d'oblique et petit moyen fessier également. Hein. Allez, tenez encore un petit peu. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On pose l'oreille sur l'épaule. On est ici placé, donc sa main gauche au niveau du sol. On va venir ici monter, descendre la jambe du dessus. 4, 3, 2, 1, on y va. On monte. Et on descend. Souple en haut. Allez, 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et bien bloqué. Allez, en haut. Alors, aussi, on peut, vous pouvez, hein. Allez, ensuite, on fait des petits mouvements et on change de côté. 4, 3, 2, 1, petit. Allez, 8. Bon, bien. Bon, on a fait qu'un côté, hein. On va faire de l'autre. Donc là, logiquement, vous avez bossé le gauche. On va travailler donc le droit. Alors, on se met donc de profil côté gauche. On s'allonge. Je vous laisse le temps de vous installer. Donc, j'appelle ici qu'on va travailler l'équilibre. Donc, on peut avoir la main sur la cuisse ou devant, mais c'est plus facile avec la main devant. Allez, on a l'oreille décollée de l'épaule. On élève les deux jambes. On est bien aligné. On serre le ventre. Peut-être êtes-vous plus à l'aise de ce côté ou bien c'était de l'autre. Attention à vos épaules, bien dégagées de votre tête. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on repose. Ok, on place cette fois-ci donc main droite au niveau du sol. Et on va monter et descendre la jambe droite. Reposez bien ici l'oreille sur l'épaule. Hein. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Allez, la poitrine est engagée, le ventre est rentré. Soufflez en montant. Ensuite, on viendra bloquer. Ok, on bloque. En haut. Essayez d'avoir de la tension entre l'élastique. Allez, creusez-moi le ventre. Léger espace entre votre taille et le tapis. Allez, faites-moi des petits. Deux fois à faire, donc
là, on doit repartir sur l'équilibre. Je vous laisse décoller votre oreille de votre épaule. Placez votre main sur la cuisse si vous le souhaitez. C'est pas une obligation, on peut rester là. Et on élève les deux jambes. Et on maintient la posture en respirant fluidement. Allez, tenez bon. Va monter, va descendre, hein. On reprend ça, main droite sur le tapis, 4, 3, 2, 1, monte, et on descend, on souffle en montant.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on repose. Donc, je vous ai dit qu'on ferait deux fois, on va répéter une autre fois hein, les exercices. Mais là, je vous l'ai fait faire une fois. Donc, on a fait donc, le Superman, le gainage planche, on fait le pédalo et on les fera une deuxième fois tous les trois. D'accord? C'est moins réverbatif de faire sous forme de petit circuit comme ça. Donc, là, je vous laisse vous mettre sur le dos, vous allongez, une jambe fléchie, d'accord? Une autre que vous allez tendre et vous amenez donc, le coude vers le genou fléchi. Vous voyez? Ok? Si vous avez mal au niveau du bas du dos, que ça craque, la jambe qui est tendue, levez-la un petit peu plus. D'accord? Sinon, imprimez les lombaires au niveau du sol. Mais ça, c'est en deuxième recours. Hein? Ok? Allez, 4, 3, 2, 1, on y va! L'épaule et l'omoplate du bras qui est fléchi, qui va vers le cou, doit se décoller du sol. Hein. On va bien chercher vers l'intérieur, on n'est pas obligé d'aller vite. Au niveau du sol. 4, 3, 2, 1. Allez, décollez-moi les bras, les jambes. Allez, 4, 3, 2, 1, et on repose. On part sur le gainage planche, soit sur avant-bras genou, soit sur avant-bras pointe de pied. Allez, on est parti. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on passe sur le dos. On termine avec le pédalo. On va partir un petit peu plus vite que tout à l'heure, je te l'expliquais. Là, vous savez ce qu'il faut faire. 4, 3, 2, 1, et on y va. Allez, soufflez en amenant coude vers genou ou bien on inspire sur une jambe, enfin sur deux jambes et on expire sur les deux autres. De cercle pour vous détendre un petit peu, donc cercle dans un sens,
cercle dans l'autre. Ok. Et une fois que vous aurez fait ces quelques cercles, vous pouvez faire un petit retour au calme au sol à ce moment-là. D'accord? Avec une vidéo que j'ai déjà mise sur YouTube.